Béatrice Rulle, vous recevez ce matin Bertrand Reich, le président du PLR Genève, et on va revenir avec lui sur l'audit externe sur le foyer de Moncy à Genève. Bonjour Bertrand Reich. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cet audit externe a donc été remis hier. Il pointe de nombreux dysfonctionnements. Liste non exhaustive, je précise. Infrastructure peu adaptée, personnel pas assez formé, communication altérée, pas de projet institutionnel, turnover important. Bref, c'était la chronique d'un désastre annoncé. Qui a commencé par les premiers mots de l'experte qui parlait de précipitation. Et je crois que précipitation est le maître mot. On n'a pas anticipé, on n'a pas préparé, on n'a pas pris la mesure des enjeux, on n'a pas compris ce qui se passait. Qui est le on ? Et le on, c'est de haut en bas de l'échelle. C'est-à-dire que le on, c'est d'abord ceux qui ont... concrètement préparé, voulu et ensuite préparé l'ouverture du foyer. Puis c'est ensuite toute la hiérarchie qui a validé ou qui n'a pas validé ce qui aurait dû être. Et puis ensuite, c'est évidemment la conseillère d'État qui n'a pas suivi ce dossier comme elle aurait dû le faire. Anne-Marie Torres-Sainta qui explique qu'elle n'a pas été tenue au courant, qu'elle ne veut pas suivre l'activité des 5000 personnes qui sont sous sa responsabilité. C'est insuffisant pour, selon vous ? On peut comprendre qu'elle ne peut pas être derrière chaque personne. Tout à fait. J'ai surtout retenu qu'elle ne savait pas, puis qu'elle était assez satisfaite de ne pas savoir, que dans le fond, ça ne lui posait pas de problème. Elle reçoit des messages, et puis elle s'est livrée pendant la conférence de presse à un exercice qui frisait l'indécence, qui consistait à dire mais le mot maltraitance n'était pas écrit dans les messages que j'ai reçus, donc je n'avais pas de quoi être alarmé. Alors qu'elle a reçu des signalements de la part de parents, elle a reçu un certain nombre de messages, et déjà au mois de janvier, il était question de 2021, il était question de maltraitance, et puis il disait oui, mais je ne savais pas quoi. Et donc, il y a une absence de curiosité, pour le dire poliment, de la part de la conseillère d'État qui est complètement sidérante. Je crois qu'elle n'a pas pris la mesure de son rôle. Est-ce que ça veut dire qu'Anne-Marie Torres-Sainta est incompétente ? C'est ce que vous dites. Je veux dire que sur ce dossier-là, elle n'était pas à sa place, elle n'a pas compris ce qu'elle était censée faire. Et en réalité, on ne sait pas ce qu'elle est censée faire, puisqu'on a compris qu'elle était responsable de rien, qu'elle n'était en charge de rien, qu'elle ne savait rien. Mais alors, à quoi sert une conseillère d'État qui ne sait rien et qui est contente de ne rien savoir ? On a compris que vous aviez des critiques très vives vis-à-vis d'Anne-Marie Torres-Sainta. Anne-Marie Torres-Sainta, justement, qui s'exprime sur les critiques précisément du PLR. On l'écoute. Je trouve triste, voire même choquant, qu'on utilise la détresse de certaines familles, ce qui s'est passé avec des enfants, je le rappelle, qui sont parmi les plus fragiles du canton, pour faire de la politique politicienne. On est à un an et demi des élections. Le PLR a perdu un de ses magistrats, il a besoin d'exister, donc il fait feu de tout bois. Je rappelle aussi qu'on a une votation politique importante à Genève sur le cycle d'orientation donc dans quelques temps. Donc je pense que le PLR, c'est pas l'intérêt des enfants qu'il vise actuellement, c'est faire du bruit pour qu'on parle de lui. Faire du bruit pour qu'on parle de vous, Bertrand Reich. C'est vrai qu'on s'interroge quand même sur la manœuvre politique. Alors, on peut toujours s'interroger sur tout, mais en fait, il faut voir la réalité. La réalité, c'est qu'il y a eu une maltraitance. La réalité, c'est que des enfants en situation de handicap ont été confiés à une institution et que cette confiance a été trahie. La réalité, c'est que la confiance dans la parole de la conseillère d'État a été brisée, dans le sens qu'elle a dit à un certain nombre de reprises que la situation était sous contrôle, et en réalité, c'était pas le cas. Et ce que soulignait une journaliste à juste titre pendant la conférence de presse hier, c'est que s'il n'y avait pas eu un article dans Le Temps en octobre, probablement que la conseillère d'État n'aura rien fait. On a un vrai problème. Et ce n'est pas parce qu'il va y avoir à un moment donné des élections qu'il faut se taire. C'est précisément, et là-dessus je rejoins ce qui a été dit, parce qu'il y a des enfants en jeu, que le souci, ce n'est pas du tout la conseillère d'État. Le souci, c'est les enfants et le souci, c'est la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Le problème, ce n'est pas un parti politique, c'est comment est-ce qu'on peut encore imaginer que des parents puissent avoir confiance dans une institution quand la conseillère d'État qui chapeaute tout ça, ment à plusieurs reprises, et puis deux, dit... Anne-Marie Torres-Sainta a menti. Elle a menti sur un certain nombre de faits. Elle a menti sur quoi ? Elle a menti notamment sur le fait que la situation était sous contrôle, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'on apprend, et c'était complètement choquant, qu'un certain nombre de personnes qui étaient concernées par l'empoisonnement étaient toujours sur place et que rien n'avait été fait. Il a fallu que ce soit la justice pénale qui intervienne pour les éloigner du site, alors que rien n'avait été fait au niveau de l'État. Elle a menti sur le fait qu'elle disait qu'elle ne savait rien avant le mois de mars 2021. Mais pour moi, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est aussi sur le fait qu'elle-même dit que l'État n'est pas capable de gérer cela. Est-ce qu'Anne-Marie Torres-Sainta doit démissionner au vu de ce...
ce que vous venez de dire. Moi, je crois que ce réquisitoire, voilà, cherchez-le-moi. Ça lui appartient complètement. Ça relève de sa conscience et on comprend bien. Mais vous, en votre âme et conscience, est-ce que vous demandez sa démission ? Moi, je pense que le Conseil d'État doit prendre la mesure de la situation et ce qu'on a déjà demandé, qu'il doit la dessaisir de ce dossier et il doit le mettre sous la compétence d'une délégation du Conseil d'État. D'un mot pour terminer, est-ce que le Conseil d'État qui était prompt à dessaisir Pierre Maudet, qui était un ancien de votre parti, l'est beaucoup moins quand il s'agit d'une socialiste ? Alors, je n'aurai pas cette grille de lecture politique. Je pense que le Conseil d'État... Majorité de gauche, on précise. Est de majorité de gauche, effectivement. Sur le dessaisissement de Pierre Maudet, il a agi d'une façon, furtive, en se réunissant à 5 un week-end, sans prévenir les deux autres membres du gouvernement, ce qui est complètement dysfonctionnel et inadéquat. Et je pense qu'il n'est pas plus adéquat maintenant qu'avant. Mais encore une fois, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est comment on va restaurer la confiance et faire que plus jamais cela n'arrive. Et on rappellera quand même qu'il y a des élections cantonales l'année prochaine, en 2023, et que le PLR vient de perdre un siège au Conseil d'État. Il est toujours important de préciser le contexte des choses. Merci beaucoup Bertrand Reich, président du PLR Genève. Et on a compris que vous ne partirez pas en vacances à Canebrie-Torres-Sainte-Anne. Merci, bonne journée.